Et yo les potes, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et de liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Donc cette vidéo, ça va être comment dessiner donc une paire de baskets Air Max en pixel art, voilà. Donc comme matériel, il vous faudra du noir, ouais, et une règle. Moi j'utilise une géorègle, donc peu importe, voilà. Voilà, donc il faut juste du noir. Hop. Si vous voulez, vous pouvez utiliser du rouge, n'importe quelle couleur. Donc ça fera quand même une belle paire de baskets. Voilà. Donc ensuite, donc là, on va commencer par faire. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc on sait. Donc là, il y a. Attends, attendez voir. Attendez. 1, 2, 3. Hop là, je me suis trompée, 4 et 5. Ouais, bon, je mettrai du Tipex, c'est pas grave, les gars. Donc, ensuite, vous faites 1, 2. Voilà, 1, 2. 1 et 1. Voilà. Après ça, vous faites 1, 2, 3, 4. 4. Ok. Ici, vous faites 1, 2, 3, 4. Ok, là, vous faites 1, 2, 3. Voilà. Ici, 1, 2, 3. Au pire, les gars, je vais que mettre des points. Comme ça, comme ça la vidéo ira large plus rapidement. Voilà. Donc là, vous faites 1, 2, 3. 1, 2. Attendez voir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Et 1, 2. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là ici vous faites une montée, voilà. Ensuite, vous faites 1, 2, 3. Après ça, donc là, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Après là, 1, 2, 3. Et après. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, on va dessiner les contours. C'est parti. Voilà. Donc là les gars, donc là on va dessiner le logo Nike les gars. Donc là alors je suis juste désolée parce qu'il y a un petit problème sur ma vidéo. Donc j'ai mis sur pause sans faire exprès. Voilà. Donc là je vous laisse un petit peu de temps pour faire le logo Nike. Donc je vous explique. Donc là vous faites 1, 2, ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Après là ici vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc là, vous faites une rangée de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, vous faites 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Et après ça, bah là, vous faites 1, 2, 1, 2, 3 pour... voilà. Donc là, on va dessiner le logo. C'est parti. Et voilà. Donc là ensuite ici
Donc là, attendez voir. Donc là, vous comptez 1, 2, 3, 4, ok. Et là, vous faites 1, 2, 3, ok. Là, vous faites 3 rangées de 3. 1, 2. Voilà, comme ça. Ensuite, donc là, vous faites plusieurs rangées de 2. Donc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Voilà. Après là, vous faites 1, 2, 3, 4. Ok. Et là, vous baissez comme ça. Hop, hop. Et là, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Là, vous montez. 1, 2. Non, 3, pardon. Hop. Comme ça. Vous redescendez et là vous refaites la montée. Voilà. Ok, voilà. Voilà les gars. Donc là. Hop là, donc là aussi ici, voilà. Donc là on va passer au coloriage. C'est parti. Voilà, donc après avoir fait ça, voilà, donc ici vous rajoutez encore une toute petite rangée juste ici pour que la basket soit hyper stylée, voilà, juste ici vous ajoutez encore une petite rangée, donc comme ça, ça fasse hyper stylé. Ok, donc là ça va donner ça, et là juste en dessous, là vous faites une rangée de 4, 1, 2, 3, 4, 5, non on va faire 5 plutôt, voilà. Et après, ben ici, hop, vous coloriez comme ça. Donc là la paire de baskets elle est hyper, hyper stylée. Et pour terminer le dessin, vous faites un petit trait. Voilà. Et en haut là, j'ai ajouté deux petits points pour faire genre les lacets. Et voilà. Et voilà les gars, donc le dessin est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. Abonnez-vous avec la cloche. Parce que sinon vous ne recevrez pas toutes mes notifications de mes vidéos. Et je vous dis ben ciao pour une prochaine vidéo.